Le Bénin, bout de terre coincé entre le Burkina Faso et le Niger au nord, le Nigeria à l'est et le Togo à l'ouest, projette dans l'océan Atlantique sa silhouette à la forme d'une clé à s'ouvrir les portes des opportunités du monde. Pays côtier, il est l'ouverture naturelle des pays enclavés de la sous-région sur le monde extérieur. L'une de ses plus grandes richesses, les hommes et femmes qui le peuplent et l'animent, c'est aussi sa démocratie, l'une des plus dynamiques en Afrique noire. C'est également la paix qui y règne. C'est de ce pays, à mille atouts et potentialités, qu'un homme bourré d'ambition a hérité en avril 2006, à la suite d'élections démocratiques. Docteur en économie, ancien fonctionnaire de la BCAO, ancien président de la BOAD, le nouveau propriétaire du fauteuil présidentiel, Boni Yayi, sait que des ambitions soutenues par une vision ne peuvent jamais prospérer sans des ressources financières adéquates. S'il peut compter sur le réseau d'amis des institutions financières en Afrique et dans le monde, Boni Yayi sait surtout que la mobilisation des ressources internes doit être le socle du financement des projets ambitieux de développement qu'il porte. À cet effet, il a engagé de profondes réformes avec un accent sur l'assainissement des finances publiques. En moins de 2 ans, les caisses de l'État asséchées affichent comme par miracle une grande surliquidité grâce à ses ressources mobilisées et grâce aussi au soutien des partenaires au développement. Boni Yayi a entrepris de grands travaux de rénovation et de modernisation du pays. Des chantiers sont ouverts dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Au fur et à mesure de leur réalisation, ces chantiers changent le visage du pays. Dans ce registre, l'aéroport de Cotonou fait figure d'exemple. Les travaux de réhabilitation et de restructuration de l'aire de stationnement hissent aujourd'hui la plateforme aéroportuaire au rang de l'une des meilleures de la sous-région francophone. L'aéroport de Cotonou a été conçu pour la première fois en 1920. De 1920 à l'année 2007, on n'avait que 9 postes de stationnement avion. Avec les travaux initiés en 2007, nous sommes passés de 9 postes à 23 postes, à savoir que nous avons fait des premiers travaux initiaux qui portaient le stationnement de 9 à 20 postes. Ensuite, on a eu des travaux complémentaires de construction de 3 postes qui ont porté enfin la capacité d'accueil du parking avion de Cotonou de 9 postes à 23 postes. L'agrandissement des infrastructures aéroportuaires fait partie de la décision politique de l'adhésion de l'État. Mais si on a attendu ces derniers moments pour le faire, c'est grâce à la décision politique du gouvernement actuel qui a décidé, qui a vu de façon prospective le fait qu'il faut agrandir les infrastructures aéroportuaires pour augmenter la capacité d'accueil de notre aéroport. Et ça fait du bien à l'État béninois. Donc c'est le gouvernement actuel qu'il faut féliciter, qu'il faut remercier pour avoir donné à notre État cette infrastructure-là dont nous sommes fiers aujourd'hui. La capacité de notre aéroport est une chose comparable en Afrique de l'Ouest à l'aéroport de Dakar. L'aéroport, le poste de Senghor de Dakar, sinon qu'à part celui-là, nous sommes quand même pratiquement supérieurs en matière de capacité d'accueil à tous les autres aéroports francophones de la sous-région. Fini le temps de la désaffection de l'aéroport de Cotonou. Le taux de fréquentation s'est amélioré. L'aéroport de Cotonou est aujourd'hui l'escale de prédilection des longs courriers, des avions gros porteurs. Tout comme l'aéroport, le port de Cotonou connaît aussi de grands travaux de rénovation qui visent à donner corps
à la philosophie qui sous-tend la création du ministère de l'économie maritime. Au port de Cotonou, nous avons l'habitude de dire que c'est le poumon de l'économie nationale. Et le président de la République, à juste titre, a vu qu'il faudrait faire en sorte que ce port soit modernisé et que l'ensemble du secteur puisse contribuer davantage, disons, au niveau de l'économie nationale. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez bien, il y a un peu plus d'un an, il a créé le département de l'économie maritime, des transports maritimes et infrastructures portuaires. Et ça, ça montre déjà l'importance, disons, de ce secteur dans l'économie nationale, puisque plus de 90% du trafic, disons, avec le commerce extérieur passe par le port de Cotonou. Donc, il va falloir naturellement que nous puissions moderniser toutes les infrastructures et la gestion au niveau du port de Cotonou. Le port de Cotonou, comme on le sait, n'est pas seulement un port pour le Bénin, c'est un port à vocation régionale. Et quand vous savez un tout petit peu comment les choses sont en train de bouger au niveau de la sous-région, vous devez comprendre l'importance qu'il faudrait accorder au port de Cotonou. Coincé entre la mer et la ville de Cotonou, l'engorgement de l'espace portuaire est aujourd'hui un fait. Seule la délocalisation de certaines activités pourra sauver le poumon de l'économie nationale du naufrage. À cet effet, la construction de plusieurs ports secs est prévue.